Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli point au tricot. Donc il s'agit d'un point de losange en relief avec le centre des motifs ajouré. Donc c'est un très très joli point. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc c'est un point qui est vraiment superbe pour adapter pour des gilets ou des pulls pour l'automne qui arrive. Donc j'espère que vous arrivez bien à voir le rendu de ce point. C'est vrai qu'en caméra, c'est pas toujours évident. C'est un point qui n'est pas réversible. Sur l'envers, il est comme ceci. Mais vous voyez, c'est vraiment très joli aussi sur l'envers. Donc si vous avez l'intention de réaliser, par exemple, une écharpe, pour l'automne, eh bien, sachez que l'envers est vraiment très joli aussi. Donc pour l'échantillon, j'ai utilisé une laine de chez Langyarn. Donc c'est la laine Angelina. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une laine qui est à 60% soie et à 40% laine vierge. Donc pour une pelote, donc c'est une pelote de 50 grammes et elle a un métrage d'environ 150 mètres et se tricote avec des aiguilles numéro 4,5. Donc je vous mets les informations de la laine juste ici. Vous pouvez retrouver aussi en barre d'infos le lien du site langyarn.com. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que le site n'est pas en français. Et bien en fait, tout en haut de la page du site, et bien vous pouvez mettre la page en français. Vous ne pouvez pas acheter en ligne directement sur Langyarn, mais je vais vous mettre en lien, donc toujours en barre d'infos, un site d'une revendeuse de la laine Langyarn. Donc cette laine est vraiment idéale pour l'automne qui arrive. Si vous avez l'intention de vous réaliser pull, gilet, écharpe, plaid, pourquoi pas. Vous pouvez vraiment réaliser beaucoup d'ouvrages avec cette laine. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram, puisque je vais vous mettre des photos vraiment détaillées du point, pour que vous puissiez avoir un aperçu vraiment précis de ce point, de la couleur de la laine que j'ai utilisée. Donc bien sûr, pour l'échantillon, j'utilise également des aiguilles numéro 4,5. Surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo si ce point vous plaît, si le tutoriel vous a plu. Et sur ce, nous allons passer tout de suite au tutoriel. Pour commencer, il faut savoir que ce point est multiple de 12 mailles plus 1 plus 2 mailles lisières. Donc pour la vidéo, je vais monter un total de 27 mailles puisque je vais monter 2 fois 12 mailles plus 1 demandée pour le point et à ça 2 mailles lisières. Et 27 mailles. Pour vos mailles lisières, vous allez les tricoter vraiment comme vous en avez envie, comme je vous dis à chaque fois. Moi personnellement, pour ce point, je vais simplement tricoter des mailles à l'endroit sur l'endroit et des mailles envers sur l'envers. Pour le rang numéro 1, on commence par tricoter une maille à l'endroit et c'est tout de suite la séquence à respecter. Donc on commence par une maille endroit et un jeté. Donc là, juste après le jeté, on va travailler en maille envers. Donc ce qu'on va faire, c'est venir positionner notre fil devant et simplement l'enrouler autour de l'aiguille de façon à former notre jeté et avoir notre fil devant pour continuer en maille envers. On continue avec 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, 3 mailles ensemble à l'envers. Donc j'ai 1, 2, 3 mailles, et bien ces 3 mailles simplement, on les attrape toutes les 3 et on les tricote ensemble à l'envers. De nouveau, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Et on termine la séquence par un jeté. Mais comme on va reprendre une séquence avec une maille à l'endroit, et bien simplement, on va laisser notre fil devant pour commencer avec notre jeté. Pour terminer, pardon, la séquence avec le jeté. On reprend une séquence. Une maille à l'endroit. Un jeté que j'enroule autour de mon aiguille. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 3 mailles ensemble à l'envers. J'attrape mes 3 mailles et je les tricote toutes les 3 ensemble à l'envers. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4.
Et on termine la séquence avec le jeté que je laisse aussi devant mon aiguille, puisqu'on finit complètement le rang après notre dernière séquence par une maille à l'endroit. On finit complètement par une maille lisière. Pour le rang numéro 2 et pour tous les rangs envers, eh bien on va tricoter uniquement des mailles à l'envers. On commence par la maille lisière que l'on tricote aussi à l'envers et uniquement des mailles envers jusqu'à la fin du rang. Lorsque vous avez vos jetés, eh bien simplement vous passez votre aiguille de cette façon sous le fil et vous tricotez simplement votre maille à l'envers normalement. Et tous les jetés du point se tricoteront exactement de la même façon. Et là, vous continuez simplement à faire vos mailles à l'envers jusqu'à arriver à la fin du rang. Je termine le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on commence avec la maille lisière. Et c'est tout de suite la séquence à respecter. Une maille à l'endroit. Un jeté. Donc je positionne mon fil devant, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, une, deux et trois, trois mailles ensemble à l'envers, de nouveau trois mailles envers, une, deux et trois, une maille à l'endroit. Et on termine la séquence par un jeté. On repart sur une séquence. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, une, deux et trois, trois mailles ensemble à l'envers, trois mailles à l'envers, une, deux, et 3, une maille à l'endroit, et on termine la séquence par un jeté. On finit complètement le rang par une maille à l'endroit, et enfin la maille lisière. Pour le rang numéro 2, eh bien, comme vous le savez, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je finis mon rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on commence avec la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter. Une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, une et deux, deux mailles à l'envers, une et deux, trois mailles ensemble à l'envers, deux mailles à l'envers, une et deux, deux mailles à l'endroit, une et deux, et on termine la séquence par un jeté. On repart sur une séquence, une maille endroit, un jeté, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, trois mailles ensemble à l'envers, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, et on finit la séquence par un jeté. Et on termine complètement le rang par une maille à l'endroit, et enfin la maille lisière. Pour le rang numéro 6, eh bien vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Je termine mon rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on commence par la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter. Une maille à l'endroit, un jeté, trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. Une maille à l'envers. Trois mailles ensemble à l'envers,
mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Et je termine ma séquence par un jeté. Donc ça, c'est toute la séquence à respecter. On repart sur une nouvelle séquence. Une maille en droit, un jeté, 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles ensemble à l'envers, une maille envers, 3 mailles à l'endroit, et je termine ma séquence par mon jeté. On finit complètement le rang par tricoter une maille à l'endroit et enfin la maille lisière. Pour le rang numéro 8, eh bien vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Je termine mon 8e rang. Pour le rang numéro 9, on commence par la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter. Une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. 3 mailles ensemble à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 et 4. On termine la séquence par un jeté. On repart sur une nouvelle séquence. Une maille en droit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, trois mailles ensemble à l'envers, quatre mailles à l'endroit, et on finit la séquence par un jeté. On termine complètement le rang par une maille à l'endroit et enfin la maille lisière. Pour le rang numéro 10, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Je termine le rang numéro 10 et le dernier rang de ce point. Voilà ce que vous obtenez après avoir réalisé un total de 10 rangs sur 27 mailles. Donc maintenant c'est très simple puisque vous allez continuer à répéter du rang numéro 1 au rang numéro 10 pour obtenir ce résultat. J'espère vraiment que ce point vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, comme d'habitude, je vous dis à vous d'essayer.